attendre, dis-le, cet éveil de Noël est pour fêter ça. Il s'en allait chez Madeleine près du pont de l'Alma. Elle aurait tant de peine qu'il ne vienne pas fêter. En costume de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents. À pied, il longeait la Seine tout en sifflotant. Puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Charmant. C'était 22 heures à peine, ce vendredi-là. C'était veille de Noël, et pour fêter ça, elle s'en allait chez Jean-Pierre, près du pont de l'Alma. Il aurait eu tant de peine qu'elle ne vienne pas fêter. Tout en chantonnant, puisqu'elle allait chez Jean-Pierre, elle avait bien le temps. Noël, or, voilà que sur le pont, ils se rencontrèrent. C'est de là qu'ils s'en venaient d'un chemin contraire. Lorsqu'il la vit si belle, des bottes au corps, il se sentit infidèle jusqu'au bout des dents. Elle aima son smoking vert, son col roulé blanc. Elle lui sonna dans l'hiver en lui souriant. Bonsoir, je vais chez Madeleine près du pont de l'Alma. Bonsoir, je vais chez Jean-Pierre, c'est juste de part. Et ils allaient chez Eugène pour y fêter ça. Sous le sapin de lumière, sa heureuse, elle se fit légère au creux de son bras. Au petit jour, il s'aimait un peu de joyeux Noël. Mais après une semaine, ce vendredi-là, veille de l'année nouvelle, tout recommença. Il se rendit chez Madeleine, l'air un peu sournois. Elle se rendit chez Jean-Pierre, un peu tard ma foi. Bien sûr, il y eut des scènes près du pont de l'Alma.